de Celestia, la preuve. Attendez que je retrouve ma carte. Hop là. Voilà. Voilà, sur la route de Celestia. Sur un endroit un peu spécial. Donc ce n'est pas un bug, hein, je n'ai pas recommencé ma partie, vous inquiétez pas, c'est ce que je vais faire apprendre quelque chose à notre cher Carmash. Merde. Ah, je voulais mettre devant ce par là. Voilà. Donc lui c'est un dracologue. Je voulais mettre Carmash parce que justement ça allait Je pensais que c'était pas un rectum, c'est pas grave. Bon bah c'est le carré qui va se le faire. Voilà, donc j'étais en fin de petite session XP là, puis voilà, je vous décide de commencer cet épisode comme ça. En étant le... l'apprentissage de la nouvelle attaque. Alors vous verrez. Hein. Hop là, c'est parfait. Comme ça, mais ça... ça donne rien du tout. Donc je vous montre pas mes Pokémon encore. Hein. Enfin si, de toute façon vous allez les voir quand je vais faire apprendre la technique. Maison de ma liberté. Oh, je m'appelle Maliberti, je suis venu ici toute seule. En quittant la ville de Dracologue, je peux apprendre la plus puissante des capacités du dragon au Pokémon ici. Veux-tu que je sois capable? Alors, désolé, voilà mes Pokémon. Donc, voilà, je vous les montrerai pas dans le début du véritable épisode. Donc, voilà, donc 43, 44, 44, 43, 45, et le Lucario qui a bien XP aussi. Voilà. Donc, je l'apprends à Carmash. Draco Météor. Et oui, la plus puissante des attaques. Alors j'efface vrai courage et hop là, ça me fait une putain d'attaque dragon. Je pourrais apprendre à tous les Pokémon dragon, ça veut dire à Giratina si possible, à Palkia, à Dielga, et oui je les attraperai, enfin on verra ça. Attaque spéciale, voilà justement, c'est ça que j'aime pas trop. Bon, ne vous inquiétez pas, alors je ramasse ces objets et je vous retrouve. Et je vais vous retrouver, et ben là on s'est arrêté la dernière fois. Attendez, j'attends de trouver, j'ai quelque chose d'intéressant. Voilà. Ah mince, c'est encore bien éclat, mince. Allez, je vous retrouve à Voilà Rock, à tout de suite. Et salut tout le monde, c'est MacLeon85. Aujourd'hui on se retrouve sur Pokémon Platine pour l'épisode numéro 33. Ça fait classe 3-3, vous voyez. Voilà, je déconne. Et on se retrouve aujourd'hui dans l'hangar de Voilà Rock. Donc aujourd'hui on part à l'attaque de la Team Galaxy. Alors, donc ben voilà, que dire de plus, vous avez vu juste avant ce que j'ai fait apprendre à Carmash, toute nouvelle attaque dans Cométéor. Voilà les Pokémon qui ont un XP. Bon, et ben voilà, que dire de plus, rien du tout. Donc c'est parti, descendons, l'épisode commence que maintenant, hein. Ce que vous avez vu au départ c'était que du bonus. Donc 30 minutes d'épisode, ça fait 12, ok, ça fait... Ah, 42, pardon, j'ai réflexion, réflexion. Une sacrée musique hein, pour l'attaque de la Team Galaxy. Alors là, je peux pas encore parce que j'ai pas la bonne clé. Attention, je l'aurai, vous inquiétez pas. Wow. Alors, ce que je vais sortir, allez. J'ai perdu des FPS, c'est bon. Pas de chance, pas de chance, pas de chance. Ouh, j'ai bien fait d'augmenter les Pokémon, c'est vu. Niveau 41, il a tout seul, ça veut dire que je suis à peu près bien. Si, si, j'ai très très bien fait d'avoir fait ça. Je suis content de mon geste. C'était pas une perte de temps. J'ai mis une heure à bien XP les Pokémon. Enfin, de deux niveaux, quoi. Ça peut paraître beaucoup pour certains, pour moi ça va. J'aurais pas aimé éviter trop cher. Hein, j'aurais pas aimé. Allez, on reste avec morsure, comme ça on est sûr que ça touche. Voilà, c'est fait. Allez, allez, on continue. Yes, niveau 44, voilà, bon, vous voyez, niveau 44. Je pense que toute la zone ici, je pense que ça se fera en deux épisodes. Hein. Ouais, ça, elle est assez longue. Hein. Le zinc, du zinc. Très bien, on continue. Alors, Lucario. Ouais, non, ça va pas être un Seralto comme l'autre, comme de par hasard. Lucario, toi, Joey.
Allez, c'est parti. Voilà, donc là, au moment même où je vous parle, l'épisode 14 est en train de se poster. Et oui, que l'épisode 14. Ça fait beaucoup, je sais. Mais bon, j'y peux rien. Hein. C'est dangereux, ça. Enfin, je tousse. Voilà. Donc, oui, j'ai vraiment beaucoup de retard avec les boss, là. J'ai 20... Oui, comme je vous l'ai dit une fois, j'ai encore 20 épisodes à faire. Enfin, 20 épisodes, pas à faire, à poster. Ce qui risque d'être très long. Change de Pokémon, qui serait à toi, Jay. Allez, gros éclair pour en finir. Ouais, niveau 39, ouais, ça va, ça va. Sincèrement, allez. Ce que j'ai fait, c'est bien, parce que sinon, là, j'étais en retard au niveau 1. Ça va être simple, hein. À la fin on va juste devoir battre Elio. Je l'ai déjà fait une fois, je sais pas pourquoi j'y arriverai pas une deuxième fois. J'ai moins de Kikaxi mais j'en ai quand même pas de Pokémon, je suis le pire des sbires. Mais c'est de ma faute, j'ai toujours pas appris à utiliser les téléporteurs. Ouais, donc ça prend en fait qu'il y a des téléporteurs qui permettent voilà, d'utiliser qui peuvent choisir leur Pokémon, pardon. Alors 41, 44, 43. Je fais confiance à ce qu'il y a un petit moufouette. Voilà. Ah, chaque amour, ça va, ça me fait sympa. Vraiment parfait. Tout à fait le niveau. Mais moi j'ai l'avantage sur toi, mon petit chaque lame. Aura c'est vraiment, c'est tellement puissant là maintenant. Je déglingue tout. Vous voyez, et même pas de coup critique, je suis même niveau, c'est parfait. Et hop, parfait. Ça rattrape. En plus avec Dance Lame, ça va être tout simplement excellent. Alors je vais tout essayer. Il faut que je vérifie où ça mène tout ça. Ok, donc ça c'est la suite. Faut que je prenne le deuxième. Parce qu'en fait, chaque téléporteur, quand vous en avez deux comme ça, il y en a un qui vous amène une Pokéball et l'autre qui vous amène à la suite. Voilà. En plus, c'est une petite CT. Bon, je pense pas que ça servira à quelque chose celle-là. Mais ça fait plaisir. Mec, c'est pas ça les téléporteurs, moi c'est la première fois que j'en utilise aussi, je veux juste me foutre dedans, je sais comment faire. Et c'est parti, la véritable attaque commence, hein, parce que avant c'était... Enfin si c'était la pénétration dans l'arrière du bâtiment, maintenant on y est vraiment. Alors... Je sais pas qui mettre là, sérieusement. Parce que je sais pas avec contre quel Pokémon je vais tomber en fait, c'est pour ça. Pokémon comme ça après je vais pouvoir anticiper le deuxième. Allez meurs. Tellement classe. Je la kiffe cette technique. Crado bon chance. C'est le moment d'XP tous mes Pokémon. Sans un autre carrière, j'ai mis plus une petite expérience comme vous avez pu le voir. Ça ne sert strictement à rien, il est très, très vite rattrapé. C'est super simple en plus avec Spacilistia sur la route. Parce qu'il y avait plein de Pokémon de type, enfin la faiblesse c'était le combat. Donc voilà, j'en ai profité. J'ai fait 8 bus. Ça, ça c'est fait. Le prochain s'il vous plaît. On change, X-ray, toi tu es. Alors vous inquiétez pas pour Kermash, hein, j'ai vérifié son niveau d'évolution. C'est pour bientôt. Je dis pas quand, c'est pour bientôt. C'est une petite surprise.
l'instant ça va. Voilà, voilà. Bah, malheureusement pour toi, ce n'en est pas un. Alors, je crois que c'est la suite en vrai. Hein. Ou pas. Mais si c'est la suite. J'avais raison. Ah non. Les portes fermées ne s'ouvrent qu'avec une clé spéciale. Ah, si je pouvais te dépanner, je te dirais où aller. Mais si, mais on ne me dit jamais rien. Genre le mec qui veut m'aider alors qu'il fait partie de la Team Galaxy. Waouh, si tu veux. Ah oui d'accord, si, je crois que ça va où ça m'amène ça. Non merde, je me suis baissé. Complètement avoir... Je sais complètement fait avoir. En plus, si vous avez vu, j'aurais pu l'esquiver complet, tranquillement. Juste à passer un peu plus en dessous et boum, je t'avais vu. C'est con, je sais pas que ce que je tiens pas gagner de combat que ça va servir. Alors Aurasphère est l'une et la et les enfin il y a deux attaques combat de type combat enfin qui ne sont pas physiques. Aura, donc il y a Aurasphère comme ça là voilà, et il y a Exploforce. Que je pense que j'apprendrai peut-être à mon cher Lucario. Ce serait tellement classe. On change Torterra à toi de jouer. Faut qu'il se perde un peu aussi Torterra quand même. C'est pas réservé qu'à Lucario. Bien sûr. Oh putain, j'aime pas cette attaque. Elle est puissante. D'accord, je me dis. Attends, j'avais souvenir pourtant que c'était surpuissant cette technique. Bah là, il y avait rien du tout. Ah, c'était nul. Voilà. Partie de mes calculs. Ah ben, c'est sûr aussi que si on ne compte pas dedans, hein. C'est intelligent ça. C'était douteux. Alors ça, ça sert à faire monter d'un niveau un Pokémon. Ah oui, c'est vrai. Donc là, je redescends avec ce sol. D'accord, le mec s'est tourné. Boom, Brock. Je crois que c'est la clé centrale. Yes, la clé galaxie plutôt. Et la preuve qu'elle marche. Je pense à faire ici, utiliser la clé galaxie, oui. Et en fait, je peux utiliser autant de fois que je veux. C'est ça l'avantage. Je mets Luxrock au bout. Je ne crois pas. Discord du mate, Elio, c'est où déjà? Au bâtiment Galaxy de Balavox, ça c'est sûr. Je crois qu'il faut prendre la porte à côté de la réception. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai oublié de passer. Albolo, je l'ai dans les mains. Pour l'instant, c'est pas ça, faut que j'aille de l'autre côté parce qu'il y avait un autre truc à faire. Ouais, ça c'était le bon route en fait. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il y avait à faire? Ah non, non, c'est bon, c'est bon. Je sais où aller, c'est bon, je l'ai mon petit gars. Allez, je fais confiance à lui. La chance est avec moi. Ça fait déjà 10 minutes. Passe vite. Oui, pas de chance. Enfin, ça va, ça va, ça va. J'aurais préféré quand même garder mon Lucario pour mon fouette, c'est pas grave. Je te finis en, deux coups minimum. Maxi, pardon. Ouh, c'est bâtard ça. J'aime pas ça. Je te finis avec un machouille, ça me ferait chier. C'est un type TNF, c'est pour ça que c'est pas puissant. Hop là. Pff, ça me donne rien du tout. Ça me saoule ça. Ah bah là c'est le cas de dire. Qu'est-ce que ça dit ça? Le créateur de Galaxy, tout appartient à Team Galaxy. Nous n'avons que faire du monde, l'univers nous attend. Hop hop, doucement toi. Lui par contre, il va en avoir un. Normalement c'est à peu près dans le même ordre.
sens pas trop. Allez, on avance. Ouais, bien joué ça. J'ai géré. Et à recommencer, c'est bon. Voilà, face à recommencer son petit coup. Voilà, le petit saut de la vidéo. Fait toujours plaisir. Fouette. Mourir. Oh, c'est... Il meurt. Wow. Yes. Ça me dégoûte. Rien du tout. Dans mes Pokémon. Enfin là, c'était juste pour une Pokéball, vous voyez. Enfin aussi pour des Pokémon. Hein. C'était cool ça. Frustration. Alors ça c'est puissant. Alors j'explique. Cette attaque elle est puissante lorsque votre Pokémon vous déteste. Donc ça va quand vous venez juste l'attraper, si vous la prenez, cette attaque peut tout défoncer. Mais par contre après à force il va vous aimer, puis cette attaque n'aura plus aucune efficacité. Si notre attaque existe, qui voilà. Sert en, avec la puissance. Bon, maintenant, retournons. Ah merde, j'ai perdu du temps, non, c'est pas grave. On va faire toute la route. Ça fait chier quand même. Hein. Merde, bolus. Bolus. Je cours, on va être en retard. Voilà, donc en fait il faut passer maintenant par l'entrée principale pour voir justement le truc des Yo. Petite sauvegarde imposée, désolé. Mais je suis obligé là parce que ça fait un moment que j'ai pas sauvegardé. 26h30. Waouh, 156 Pokémon, c'est très bien tout ça. Attention, on s'en fout. Ah si, il y en a. Voilà, comme par hasard, j'ai pris la mauvaise. Ah oui, c'est vrai. Celui-là, c'est celui qui me ramène. Pardon. Donc, je viens de dire que le portail vert, c'est celui que j'utiliserai tout à la fin. Enfin, voilà, je pourrais utiliser qu'à la fin. J'utilise la clé Galaxy. Et voilà, alors la suite. Alors toi, j'aurais bien de faire un petit combat double, ça serait cool. Ça serait cool. On doit tous perdre un peu de vie. Yeah, yeah, j'ai réussi. Petit combat double, ça fait plaisir. Ah oui, ça m'amuse. Alors là, je sais pas comment. Genre une attaque de type éclair qui peut toucher deux là, les deux. J'aurais tout explosé. Malheureusement j'en ai pas. Alors. Bon déjà je vais finir le niveau 40, donc c'est le mal. Et en ce temps je vais attaquer le niveau 39 avec le Lucario. Tellement puissant. Hop là, allez on va se faire, finis-le s'il te plaît. Ça va me faire pour les deux. Oh, coup critique en plus. Waouh. Ah bah oui, je suis con. Il lance deux fois en coup critique. On va attaquer l'autre. Chacun son tour. Hein. Waouh, c'est la fête des coups critiques aujourd'hui.
Ça, niveau 44. 10. Il rattrape les autres, c'est parfait, je suis content. Je crois que c'est tout. C'est vraiment pas puissant. Alors là. Mais non, mais c'est une blague! C'est la fête des coups critiques ou quoi là? Yes! Parfait, je vais pouvoir le finir avec le cario. Le combat va être fini en moins de 2. Hop là. Comme je dis, chacun son tour. Ah, là, c'est par contre, faut pas qu'il vive parce qu'après, là, le cario va prendre cher. Oh le gogo, j'aurais pu aller soigner Pokémon d'ailleurs en y pensant. Bolos, c'est pas grave. Dans le caillou, même pas. Peut-être du gagner 2000, ça va. Lui il m'attaque. Ça, j'ai des très bons souvenirs. Je m'étais pas du tout préparé. Je ne suis pas perturbé une recherche par la Team Galaxy. Alors, en y repensant pour Helio, j'irai l'affronter. Enfin, j'ai récupéré un Pokémon avant de l'affronter, voilà, c'est ça que je cherchais. Et je ferai une ellipse le temps. Parce que sinon, je ne serai pas rendu. Ouah, j'attaque deux fois de suite, quoi. Puis il faut qu'il se calme la punaise de team. C'est un Pokémon de type psy, c'est pour ça que j'ai sorti l'X-Ray. Ouais, baiser. Pardon, perdu. C'était un peu vulgaire ce que je dis. Le curieux fera l'affaire. C'est un type normal, faut pas l'oublier. Oh, il a l'up, c'est une blague. Forte pomme, bâtard. Et voilà. Je sors plus qu'à utiliser soin ce petit bâtard. Pas content. Hein. Ouh, ça donne pas mal ça. 1620. Tranquillou, tranquillou. Tu t'es battu. J'ai l'air pathétique. Ah ben là c'est le cas de dire. Hein. T'es pathétique. Ouais. Ah voilà la le conseil du d'Elio. Psst, par ici, regarde ça. Le Team Galaxy est en pleine réunion, mais pourquoi? Chers membres de la Team Galaxy, merci de votre attention. Mon nom est Helio. Le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une grossière ébauche marquée par l'imperfection. Il a toujours fallu se battre pour y survivre et cela continue. Les Pokémon et les humains, eux aussi, sont des êtres incomplets. Ainsi, nous abîmons tout ce que nous touchons à tant de leaders. J'exècre cette imperfection qui révolte tout mon être et me soulève le cœur. Le monde doit être complet, le monde doit changer. Qui, me direz-vous, sera l'instigateur de cette révolution? Moi, Helio avec la Team Galaxy à mes côtés, oui, vous tous. Ensemble, nous nous sommes penchés sur les mythes pour en dévoiler les secrets. Ensemble, nous avons continué les Pokémon. À présent, nous sommes enfin prêts à changer le monde. Nous avons le pouvoir de concrétiser nos rêves. Comprenez-moi bien, chers camarades, le monde parfait dont je rêve depuis si longtemps est sur le point de prendre corps à tous ceux qui sont partis pour le monde couronné et à ceux qui restent ici. Bien que nos missions diffèrent, puissent nos cœurs battre à l'unisson, gloire à la Team Galaxy. Voilà. Longue vie à Dieu, notre maître. Ouais. Alors. Impressionnant. C'était donc Helio, le patron de la Team Galaxy. Quel orateur charismatique. Admiral pour un jeune homme de 27 ans, quoi? Il fait beaucoup plus vieux que ça, hein. Je n'avais pas tant du contenu de son discours à moi pour la seule Team Galaxy. C'est grotesque, à tel point que j'en ai que la tête qui couronne, un nouveau monde, nouveau en quoi, et ce monde incomplet dont il part. Les forces de police ont dû passer sur la plonge, pas de soucis, la jambe est donnée, c'est sur le coup. Le devoir appelle prudence, camarade. Ok. Alors, normalement, c'est par là-bas la suite, c'est bien ce que je pensais. Qu'il y avait d'autres choses à aller voir avant. En fait, je pense que je vais me la blaquer tout de suite, hein. Enfin, je vais me blaquer en un épisode. J'avais oublié que c'était aussi court. Non. Perte de temps.
désolé hein, mais j'ai pas envie de perdre de temps pour ça. Clone. Babam. Rappel max, c'est bon ça, yes. Bon, alors normalement, là où je vais ensuite, ce sera la suite de... de l'aventure. J'ai tous l'habillé de toute façon. Oh yes. Oh yeah. Merci. Je croyais que j'avais pas le droit de dormir, j'avais les boules. Eh ben en fait, pas d'ellipse au final. Je vais vérifier s'il n'y avait pas aussi une Poképoupée, un truc dans le genre. Mais finalement, allez go. On arrive bientôt à destination. Bon allez, je la back en épisode. Il durera peut-être plus longtemps que d'habitude, c'est pas grave. Le qui serait... on va changer un peu parce que voilà quoi, les autres ils s'expliquent plus du tout. Tantor. Ouais, vas-y, là les Pokémon ils sont tous à peu près au même niveau, c'est très bien. Je suis bien fan des Pokémon. Et le prochain épisode sera aussi sûrement long parce que je pars pour... commencer déjà pour le mont couronné, pardon. Ouais, je partirai pour le mont couronné et puis ben je vais faire un épisode complet jusqu'en haut du mont couronné et ensuite il y aura le monde distorsion. Ce sera quelque chose de différent, enfin bon, vous verrez ça. D'ailleurs, regardant ce que j'ai fait, j'ai complètement chéré mon coup là. T'en fais en main. Putain, il donne rien du tout. En fait voilà, ça me fait chier de couper en plein milieu de la vidéo. Alors voilà quoi, je peux aller plus loin. Puis voilà qu'on est juste presque on est presque arrivé à la fin de, on va dire, de la partie quoi du jeu. C'est pas intéressant. Donc justement c'est pour ça que je vais laisser tourner la vidéo jusqu'à la fin du QG de la Team Galaxy. De toute façon ce sera pas fini hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, trois trucs. En plus, ouais, il reste 2 minutes avant 30 minutes. C'est pas grave. Ok, donc ça, c'est pas le bon. Donc, c'est celui de toute façon qui est dans le coin en bas là. Voilà, c'est ça. C'est bon ça. Ça permet de redonner les PP. À les PP de mes attaques. Et max Elixir, ça redonne les PP à toutes mes attaques. Elixir, ça donne 10 PP à toutes mes attaques. Ouais, c'est ça. Hop, 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 nous voilà arrivés. C'est spécial. J'ouvre. Te voilà. Alors, il veut balancer qui déjà avant de faire furer, c'est ça? Ah non, c'est un Pokémon qui peut t'affronter. Faire furer. Alors, te voilà, tu as entendu mon discours, j'imagine pas l'hiverne que tout cela. La seule chose qui soit vraie, c'est mon intention de créer un nouveau monde. Mais dans mon monde, il n'y aura pas de place pour Team Galaxy. Non, il n'y aura de place que pour moi et moi seul. Oh le bâtard! Il pense qu'à lui, quoi.
Autrement, ce ne serait pas un monde parfait. Tu as vu, tu as été souffri de notre galaxie. Tu dois savoir ce que ce monde. Je sais que tu fais ceci ici. Je sais ce que tu fais ici. Je le sens en toi. Tu es ici pour qu'elle fasse folie. Tu veux les sauver. Ils ne me sont plus d'aucune utilité. Je vais terminer avec eux. Si ton cœur fragile et agité brûle, de l'esprit ne te gêne pas. Ça évitera de me fatiguer pour m'en débarrasser. Cependant, je dois avouer que tu es un spécial de Mario 4. Ce Pokémon n'a rien à voir avec toi, n'est-ce pas? Pourtant, tu viens secourir par pure compassion cette émotion misérable. Elle est illogique et irrationnelle. La pitié et la compassion sont les fruits de la faiblesse et du mental. Je suis en parler, lui. De cette sensibilité inepte qui t'amène ici. Je vais te faire regretter d'avoir écouté ton cœur. Donne-moi ton XP. Donne-moi ton XP. C'est tout ce que je veux, c'est tout. Allez, farfuré, sors ton farfuré. J'ai trop. Dans ce cas-là. Je souffre. Tellement pas puissant. Oh le bâtard. Attention. Essayez de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Nouvelle la taille de Lucario. Il a que ça comme attaque ou quoi l'autre? C'est n'importe quoi. Putain. Je tente, hein, je l'essaye, normalement là je tiens un coup. Ok. Désolé ma gueule. Première utilisation, 20 nouvel objet, potion max. Je veux pas qu'il meure moi. J'en ai besoin pour le tuer. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Attaque, un truc dans le genre. Ça j'avais dit ça. Alors là mon gars, je vais dégel. Simplement t'exploser à ta face. Allez, salut. Et donne ton XP ensuite. Putain, le gel là, c'était chlité. Ok, un Corvos. Luxray, est-ce que je te... Ouais, je te fais confiance, mon petit Luxray. Il se churle. Ok, ce Pokémon est plus HL, hein. Donc ça prouve que je suis bien. Dans les niveaux, il a que 3 Pokémon. Hein. Ouais, je suis très bien dans les niveaux. Yes. Comme ça, pas d'utilisation de potion de trucs dans mon genre. Ça, je suis pas dégoûté. Allez, on en finit ça, Corvos. Je me souviens qu'Elio, la dernière fois, il m'avait bien fait mal, j'ai dû même recommencer. Ouais, je vous dis, parce que j'avais pas pris autant d'avance avec mes Pokémon. C'est pour ça. Nostanfer. Ouh, il a un Nostanfer, lui. En fait, c'est peut-être pas son plus bel. C'est son. Les Pokémon. Si tu veux. Je croyais que t'allais dire d'autres choses, mais non. Pour ça, j'aime pas cette accord. Ouais, elle fait la chance d'empoisonner le Pokémon et... grande, mais tu vas mourir. En tous les cas, si je meurs, c'est pas grave. Je vais percer si ça continue sur les... Ah ben là, ce sera bien, mais... Ils sont tous des régressions, puis moi, je peux pas encore en acheter, c'est dégueulasse. Quoi? Allez, qu'on en finisse, hein. Merde, c'est du tue. J'aurais pas aimé. Allez, de ton XP. Intéressant, très étrange. Punaise, c'est pas vrai ça. Tu écrases pas. Et tu tires ton pouvoir de ton amour des Pokémon qui cachent ses mots sur ses illusions. Et comme toutes les illusions, elles s'évitent.
Elle s'étiole au fil du temps pour disparaître à jamais. C'est pourquoi j'ai détourné le dos et mon sourire et sentiment, enfin peu importe, je doute que tu puisses comprendre ma position. Ceci étant, je reconnais que tu as le courage de combattre en solitaire. Voici ta récompense. Waouh, tellement gentil. Elle m'a servi la Pokémon ultime. Avec elle, les captures ne ratent jamais. Mais je n'en ai pas besoin. Je préfère te la laisser. Je ne m'intéresse pas vraiment aux Pokémon, contrairement aux jeux de mon utilisation, je n'utilise pas, je me contente d'accaparer leur puissance. Oh. Méchant. Si tu souhaites sauver Pokémon du lac, emprunte le téléporteur là-bas, je pars pour mon grenier, je gravirai la montagne à la rencontre de mon destin. C'est là-bas que je crée mon enfant. Ah bah c'est bien gentil de me le dire ça. Tellement débile ce mec qui me dit où faut aller. Porteur. Voilà, donc c'était le porteur vert là qui me permettra de retourner au départ. Ici ça amène à une Pokéball. Non c'est la suite. Derrière c'est quoi? Ah oui c'est vrai, ça ramène au truc pour la parole. Bonsoir, bonsoir. Y'a personne comme par hasard hein, quand j'y suis. Allez, là j'ai grugé un peu, là 5 minutes, 35 minutes normalement de vidéo à peu près. Enfin un peu plus parce que voilà j'ai une petite début qui m'attaque pas. Première guérison, félicitations. Alors, Torterra. Je sais qu'il y en a qui m'attaque normalement. Mais c'est Pluton. Une horrible envie de vomir m'empêche de dire quoi que ce soit. Mais cette chose qu'on a fait, à quoi va-t-elle servir? Toi tu avais toujours. Non mais je veux dire quand j'ai dit chef mais je. Pourquoi sent-il un enfant comme toi et... Je suis comme ça que j'ai été faire payer. Quoi? Oh bah moi j'ai du bon souvenir hein. Malheureusement j'ai pas fait grand choix. Bon, déjà on voit qu'Edu est beaucoup plus puissant que. Parce que ses plus bas niveaux étaient au niveau des miens. Donc là normalement son plancher doit être au niveau du mien. Très bien. Pluton si j'ai pour souvenir, s'il m'attaque, je crois qu'il a que des queues de taureau en tout dans le genre. Ah non je crois que Pokémon Ranger c'est vrai, pardon. Pokémon Ranger, nuit sur Almia. Celui-là j'avais adoré ce jeu. Une histoire super. Je ferai pas de let's play dessus. Hein, parce que avec l'émulateur c'est impossible à jouer. Torterra, tu vas mourir, je suis désolé. Bon, j'arrive à utiliser synthèse avant, mais bon, je crois pas. J'aurais essayé. Première sortie de Karmash, hein, vous l'avez pas vu depuis un moment. Ah, si vous l'avez vu, j'utiliserai pas Draco Météor. Hein. Maintenant en tous les cas par contre je vous le dis j'en utiliserai une fois à la fin hein. Ça va faire mal bon mais ça fait un moment qu'il est pas sorti c'est parti quel bas ça fait un moment que vous l'avez pas vu dans ces fins vous l'avez pas vu dans cet épisode du tout hein. Ok ben je vous le montre parce que il y a que lui qui peut tuer Arcomir. Il meurt, voilà. Et on change de Pokémon et Torraptor, it's a challenge. Torraptor a plein d'HP, hein. Je sais pas si vous avez vu, là, moi je suis trop content, 138. Je pense pas que ça va le tuer. Je suis très bien au niveau des niveaux, hein. Parfait. Ah non, ça le fait pas. Ça m'a empoisonné comme de par hasard.
Je sais parce que ça aussi j'avais tout le temps l'habitude de me faire poisonner. Allez, c'est fini. T'es curieuse petite tête, mais j'ai quand même pitié des gens comme toi. Si tu veux. Ah, tout de suite, c'est plus soit. Fais ce que tu veux avec ces trois Pokémon, il me suffit à plus. Même si tu en es lieu, se sont fait avoir par un mouchon de ton agabi. Plein des lieux du mouvement couronné, qui sait s'ils vont marcher. Il y a peut-être une alternative digne de Pluton le génie. Donc voilà, donc ce gars c'est un tout nouveau hein. Un tout nouveau personnage qui n'a jamais existé avant. Tempère plutôt. Voilà, il a été rajouté ici. Ton chef a fabriqué une chaîne rouge à partir de cristaux qu'il a dérobé aux trois Pokémon. Il en a besoin pour enchaîner quelque chose sur le mont couronné. Apparemment elle est aussi nécessaire à la création d'un truc quelconque. On ne m'a rien dit d'autre, qui sait ce qu'il compte faire là-haut. Voilà. Comme de par hasard, hein, ils me disent tout, 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 mais tout. Alors, ça sert strictement à rien. Bon, il n'y a plus personne maintenant. Voilà. Allez, maintenant on descend. Et retour à l'entrée. Je vais vous laisser à Voilaroc. Vous me retrouverez à Cherbourg pour la suite. Parce que c'est par là-bas que la suite des aventures se passe. Avec Musteflotte dans l'équipe, ça sera... Ah, qui partira J'aurais besoin des Doraptor pour les Cradopo, les Quatox. Luxray, j'en ai besoin pour les Nocerato, Carmache. J'ai besoin pour Escalade. Galopa, j'en ai besoin, j'en aurais besoin parce que c'est plus HL. Torterra, j'en ai pas tellement besoin, mais ça me fait chier de laisser. Lucario, j'en aurais besoin aussi. Oh là 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 là. Je suis dans la merde. Pourtant, il va bien falloir que je laisse un Pokémon. Bon, ça va être Galopa, malheureusement. Alors, donc voilà, donc je gagne les Pokémon. Ouah, 40 minutes de vidéo. Ah bah, c'est très bien tout ça. Enfin, 43 peut-être à peu près. Donc je vous laisse ici à l'entrée de Voilaroc. Attendez, je vais, vous savez quoi, je vais prendre Musteflotte avec vous. Putain, ça me fait chier là. Voilà, en fait, ce sera vraiment mon équipe type, hein, comme je vous l'ai dit plein de fois. Comme ça, j'ai tout. Là, faut que j'essaie de mettre Éclatroc sur Musteflotte. Si je peux, je pourrais faire plus de choses, je pense. Avec lui, ouais, ce serait parfait. Parce que puisque je peux pas mettre Escalade sur lui, hein, ce qui me fait vraiment chier. Attendez, j'essaye. Ça serait cool. Éclatroc, on utilise, elle contient Éclatroc, oui. Yes! Parfait! La sœur, je peux pas, j'ai oublié ma chouille. Voilà. Yes, c'est parfait, ça, Musteflotte. Comme ça, je pourrais chercher des objets maintenant. Yes! En fait, ça servira surtout dans la route victoire. Comme ça, j'aurai tout sur un Pokémon. Et voilà. Donc, merci d'avoir regardé cet épisode. Mettez-moi un petit pouce vert, ça me fera vraiment plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 34. Salut tout le monde!